Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec vous, Monsieur Sevedalès de la chaîne Geoconnect TV, je vais vous proposer quelques activités. Alors, ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau de français passable, un niveau de français débutant. Alors, regardez ici, vous avez ici deux activités. Vous allez déjà lire le dialogue. Vous allez tout simplement répondre par vrai ou faux. Et deuxième exercice, il faut compléter par un article indéfini, soit un, soit une, soit deux. Alors, regardons ici, s'il vous plaît. Vous avez ici la suite des activités. Activité numéro 3, 4 et 5. Alors, il faut compléter par les articles contractés, soit O, soit ALA, soit O avec X. Et que pouvez-vous acheter dans une boulangerie-pâtisserie? On dirait les bonnes réponses. Et le plus important ici, c'est 5. Il faut compléter le dialogue suivant entre un boulanger et un client. Voilà, ça, ce qu'on appelle ça, ce qui est plus important. Alors, si vous aimez bien sûr ce genre de vidéo, il faut tout simplement vous abonner dans notre chaîne. Hein. Mettez des likes. Si vous voulez bien sûr avoir de nouveautés, il faut tout simplement cliquer sur la cloche et aussi ajouter des commentaires. Voici la correction de ces activités. Comme vous avez tous, ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes qui ont un niveau de français assez bien et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer beaucoup mieux. Alors on va commencer par la correction de la première activité. Il faut relire tout d'abord le dialogue et après répondre par vrai ou faux. On dit la cliente achète du pain vrai. La cliente voudrait aussi une tarte vraie. Alors l'employé propose deux sortes de tartes. C'est faux. Elle propose trois. Alors la cliente choisit la tarte aux pommes. C'est faux. La cliente choisit la tarte aux fraises. Alors c'est facile. Deuxième activité. Il suffit tout simplement de mettre des articles indéfinis, soit un pour le masculin, une pour le féminin, deux pour le pluriel. On dit une baguette, une glace, des bonbons, un pain de campagne, une brioche, des gâteaux, une tarte, un gâteau et un croissant. Voilà. On passe maintenant vite fait aux troisième activité. Voici la correction. Maintenant, il suffit de compléter par des articles contractés, soit O, soit ALA, soit O avec X. Par exemple, une tarte aux pommes, hein? Un éclair au chocolat, un chou à la crème, une glace à la vanille, un sorbet au citron, un bonbon à la menthe. Alors, je dois faire très attention, surtout avec ces articles contractés. Alors, O, c'est toujours avec le masculin, alors féminin, et O, féminin ou masculin pluriel. Alors, que pouvez-vous acheter dans une boulangerie-pâtisserie? C'est un jeu de vocabulaire. On peut acheter un croissant, on peut acheter une baguette, un chausson aux pommes. Une tarte aux poires, peut-être une brioche, un éclair au chocolat, un pain au chocolat, voilà. Tout ce qui a rapport avec la boulangerie et pâtisserie. On arrive maintenant au dialogue. Voilà, c'est très très important, le dialogue, il faut compléter. Voilà. Regardons s'il vous plaît. Alors, si vous aimez bien sûr ce genre de vidéo, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne. Mettez des likes, des commentaires et cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Alors, complétez le dialogue suivant. On dit monsieur, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour monsieur, je voudrais deux croissants. Bonjour madame, je voudrais deux croissants. Soit l'employé, peut-être une femme, peut-être un homme. Alors, bonjour monsieur, je voudrais deux croissants. Oui monsieur. Voilà, deux croissants et avec ceci, je voudrais prendre aussi une tarte pour 5 personnes. Nous avons des petites tartes aux pommes, aux framboises, au citron. Deux petites tartes au citron, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, deux petites tartes au citron. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout.
Alors, je répète encore une fois, je suis vraiment ravi de vous rencontrer ici, dans notre chaîne. Alors, si vous aimez bien sûr ce genre de vidéo, vous pouvez vous abonner. Partager cette vidéo partout dans le monde, bien sûr. Alors, abonnez-vous, mettez des likes, mettez aussi des commentaires, d'accord, si vous voulez, bien sûr. Et cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Alors, c'était avec vous, Monsieur Youssef Dallel, de la chaîne GeoConnectTV. Cette chaîne est destinée uniquement pour apprendre les langues vivantes. Voilà.